Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va revenir sur une disparition parce qu'apparemment, c'est des vidéos qui vous plaisent. Du coup, on va essayer d'en faire à peu près une par mois, histoire d'aider les familles, d'aider les disparitions qui sont récentes. On vient une nouvelle fois de changer l'éclairage. Donc si ça vous plaît, le fait que ce soit un petit peu plus sombre, dites-le nous. Si vous voulez que ce soit plus éclairé, dites-le nous également. Enfin, juste dites-nous des retours, histoire qu'on puisse vraiment se caler par rapport à ce que vous aimez, vous. Nouvelle information aussi, on essaye toujours de gérer le son, donc on espère que ça ira cette fois, et puis bah voilà quoi. Et si jamais ça va pas, on rachètera un micro, c'est pas grave. Cette affaire, avant qu'elle commence, on tient à préciser que c'est une affaire qui est ultra récente, elle date d'il y a 2 mois, 3 mois, donc premièrement, il n'y a pas énormément d'informations à ce sujet, on a essayé de rassembler tout ce qu'on a trouvé, et ensuite c'est vraiment pour essayer de parler de ça, de la partager un maximum, et du coup d'essayer de retrouver cette jeune femme. C'est ça, c'est vraiment une vidéo à but informatif et vraiment dans le but de pouvoir, on l'espère, la retrouver et surtout en vie. Pour aider à l'enquête, on vous encourage vivement à partager cette vidéo au maximum, à relayer toutes les informations qu'on va dire dedans. Ça peut vraiment aider. Lui, il va vous donner des numéros à la fin pour, si vous avez quelconque information à son sujet, à sa localisation ou quoi que ce soit. Et à côté de ça, pour une note un peu plus joyeuse, si la vidéo et notre contenu vous plaît, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner et de la partager aussi, surtout pour aider la famille et Delphine Jubilard. Nous allons donc aujourd'hui parler de Delphine Jubilard, née Osa Gell, j'espère bien le prononcer, qui est une jeune femme de 33 ans. Elle est infirmière et également maman de 2 enfants. Ces 2 enfants sont âgés de 6 ans et 18 mois, en tout cas à la période des faits. Cette jeune femme habite à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Elle aurait disparu dans la nuit du 14 au 16 décembre 2020. Cagnac-les-Mines est une petite commune de 2500 habitants et elle est située à une dizaine de kilomètres de la grande ville de Albi. Son mari, Cédric Jubilard, a constaté sa disparition aux alentours de 4h du matin. Le couple, qui est marié, est cependant séparé à l'heure de la disparition. Réveillé par les pleurs du petit dernier, donc l'enfant qui avait 18 mois au moment des faits, le père se lève donc afin de s'occuper de son enfant. C'est à ce moment-là qu'il va constater la disparition de sa femme. De suite, il va envoyer un message à une des cousines de Delphine en lui disant « Dis à Delphine de rentrer à la maison ». Et celle-ci va répondre « Non, Delphine n'est pas avec moi ». Tous ces messages ont été envoyés via Messenger. Leur avocat, Maître Pressec, va dire que Cédric aurait envoyé 2 messages à 2 des cousines de Delphine en demandant aux 2 où serait Delphine. Il demande évidemment de dire à Delphine de rentrer, sauf que Delphine n'est avec aucune de ses 2 cousines. C'est donc suite à tout ça que Cédric va appeler la gendarmerie aux alentours de 4h30 du matin. Les premières recherches concernant Delphine ont été effectuées autour de la rivière du Tarn. Mais le mercredi 23 décembre 2020, les gendarmes vont annoncer une battue citoyenne, donc tous les citoyens du petit village vont commencer à chercher Delphine. Vous ne touchez pas, vous ne touchez pas. Vous appelez le téléphone, vous m'appelez directement. Il y aura donc plusieurs battues qui ont été faites et il y aura aussi suite à ça une perquisition au domicile de Delphine Jubilard. Et enfin, les gendarmes vont lancer des appels à témoins pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui était au courant de quelque chose, qui l'aurait vu ou toute information qui n'aurait pas été dévoilée un peu plus tôt. Et enfin, il y aura enfin une mise en place d'un numéro vert pour
quiconque qui a des informations puisse appeler ce numéro, soit en anonyme, soit pas du tout en anonyme, histoire de pouvoir donner n'importe quelle information ou pour donner quelconque information concernant la localisation de Delphine. Les faits seront qualifiés de disparition criminelle vu que sa disparition aura plus de 7 jours et qu'il n'y aura toujours rien à son sujet. Le parquet de Toulouse va ouvrir une information judiciaire contre X pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire. L'enquête a également été confiée à 2 magistrats instructeurs au vu de l'importance de celle-ci et de sa complexité. Pourtant, même à l'heure d'aujourd'hui, l'affaire n'a pas avancé et on n'a absolument aucune information sur la localisation, sur ce qui s'est passé ou quoi que ce soit concernant Delphine Jubilard. Il y a seulement lors d'une battue que un portable, un couteau et une chaussette ont été retrouvés. Mais pour le moment, impossible de savoir si un de ces 3 objets lui appartenait, il y a juste tout qui a été mis sous scellé au cas où, le temps de faire des recherches. Le 13 janvier 2021, une personne se serait connectée sur le compte Facebook de Delphine et il ou elle aurait posté un message vide sur l'un des groupes qu'elle suivait. L'enquête dans la disparition de Delphine Jubilard se poursuit sur Internet. Le profil Facebook de cette infirmière disparue depuis mi-décembre dans le Tarn s'est activé mercredi. Un message a été envoyé depuis son compte dans l'une de ses conversations. Une cousine lui aurait répondu « Tu me manques » avant que le message ne soit supprimé. La publication a tout de suite été signalée aux forces de l'ordre. Les enquêteurs devront déterminer qui a réellement envoyé ce message. Aucune piste n'est pour le moment écartée. Delphine Jubilard elle-même, un proche ou un piratage. Ce message a été supprimé seulement quelques minutes après et les cousines ont eu le temps de faire un screen de ces messages et ont de suite averti la gendarmerie. Cependant, mauvaise nouvelle, il semblerait que ce message ne soit au final qu'un bug par Facebook car de toute façon, il est impossible de pouvoir écrire, enfin de poster des messages vides. Des plongées ont également été effectuées dans les rivières du Tarn et il y a des chiens et beaucoup de militaires qui ont été déployés mais nous restons toujours sans nouvelles de Delphine. Cédric et Delphine étaient mariés depuis 7 ans et demi et ils s'étaient fiancés au préalable en 2011. C'était un couple très discret mais ils étaient souvent vus dans le village au complet avec toute la famille, même s'ils étaient discrets au final ils étaient quand même vus. Cédric et Delphine étaient des parents très investis dans l'école de leurs enfants, ils faisaient partie de l'association des parents d'élèves et ils étaient juste vraiment très investis dans la scolarité de leurs enfants. Et Cédric, le père des enfants du coup, était très bien vu par tout l'entourage scolaire, donc je pense quand il allait aux réunions, etc., ça devait être quelqu'un de très poli ou que sais-je, mais en tout cas il était très bien vu par tout cet entourage. Et c'était quelqu'un de très investi. Apparemment ils étaient séparés, mais cette séparation se passait plutôt bien et ils voulaient même divorcer avec un accord à l'amiable et ne pas du tout se battre pour la garde des enfants, mais on n'a pas trouvé plus d'informations à ce sujet. Il a pourtant été dit que Delphine aurait rencontré un homme sur les réseaux sociaux et que les deux auraient une relation épistolaire. Donc en gros ils ne se sont jamais vus, ce sont que des échanges de messages pour le moment, et on le rappelle, de toute façon, Delphine était séparée de son mari, donc quand bien même il n'était pas encore officiellement divorcée, elle a quand même le droit de fréquenter quelqu'un d'autre. Cependant, on ne veut pas de conclusion hâtive, car comme dit sur tous les médias, un coup c'est soit son amant, soit juste un confident, donc on ne veut pas de messages méchants par rapport à cette relation dans les commentaires et de respecter les relations que Delphine peut entretenir en dehors de son mariage. Cet homme serait également en cours de séparation dans son couple et donc par ce fait les deux s'entendent évidemment très bien et peuvent se soutenir l'un et l'autre. Celui-ci habite également dans le Tarn mais il a été aussi entendu par la gendarmerie et il semblerait qu'il avait un très bon alibi et qu'il a été donc écarté de l'affaire. Une source proche de l'enquête avait confirmé au Parisien le 11 janvier 2021 que celui-ci n'avait pas du tout le profil soit d'un kidnappeur, soit d'un tueur, mais pour ma part, je pense que c'est mieux de se méfier toujours parce qu'on ne sait jamais. On peut vous rappeler par exemple l'affaire Daval, Jonathan n'avait pas du tout le profil type d'un tueur, et pourtant, donc même s'il n'avait pas le profil, je pense qu'il faut toujours se méfier de quiconque. Et la source dit également, donc aux Parisiens, que Delphine semblait heureuse et vraiment amoureuse de celui-ci. Mais encore une fois, on ne sait pas du tout ce qui se passe derrière les portes de chez les gens. Pour revenir à l'enquête, il y a plus de 100 personnes qui ont été entendues, donc tous les pervers du coin et les personnes ayant un casier judiciaire qui pouvaient être suspectées, et tous les emplois du temps également été vérifiés.
les frères et sœurs de Delphine vont demander un respect total de leur vie privée pendant toute l'enquête. Et donc, ils voudront pas du tout s'exprimer devant les médias, ce que je peux comprendre, parce que je pense qu'ils veulent soit préserver leur image, ou peut-être, niveau théorie, ça peut être un d'entre eux qui s'est frité avec elle, ou j'en sais rien, mais je pense qu'ils veulent juste pas s'exposer par rapport à leur histoire. Soit ils sont très tristes, soit ils ont juste pas envie d'être mêlés à tout ça au niveau des médias, parce qu'on sait tous que les médias peuvent extrapoler ce genre d'histoire et ça peut partir très loin. Et comme dit, c'est le respect à la vie privée, et ils ont totalement raison. Il semblerait que c'est une famille discrète, et d'ailleurs même Delphine avec sa famille sont des personnes qui sont très discrètes, et justement la famille va demander à ce qu'on respecte aussi la vie privée de Delphine, parce que c'est une personne qui aime garder son cocon pour elle, que ce soit son mari, ses enfants, son travail, et ils ont tout à fait raison. Et pour terminer, ses frères et sœurs n'adhéreront eux aussi à aucune théorie, que ce soit par rapport à l'amant, à son mari, à la séparation ou à n'importe quoi. Ils veulent pas dire le pour ou le contre de n'importe quelle théorie, ils veulent vraiment rester en dehors de tout ça. Pour revenir à la disparition, afin de vous donner le maximum d'informations qui pourraient être bénéfique à l'enquête. On ne sait pas comment était habillée Delphine lors de sa disparition. On sait cependant qu'elle aurait disparu entre 23h et 4h du matin, qu'elle serait partie du domicile familial à pied avec seulement son téléphone portable. Elle serait partie au début pour promener ses deux chiens, mais malheureusement elle n'est jamais revenue et les deux chiens sont par contre eux revenus au domicile familial. Donc on va vous mettre à l'écran le numéro vert, qui est le 0887 89 32. Si vous avez des quelconques informations, n'hésitez pas à appeler ce numéro. Et si vous avez des quelconques informations, n'hésitez pas non plus à appeler la brigade de gendarmerie de Cagnac-les-Mines au 05 63 56 48 70. Encore une fois, nous mettrons tous les numéros dans la barre d'infos. Et si vous avez une quelconque information, n'hésitez pas vraiment à les appeler, ça peut être très important. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. On pense encore une fois qu'elle a été courte, mais les histoires de disparition sont extrêmement courtes. On les fait pas vraiment pour la durée, on les fait surtout pour relayer les informations au maximum. On a vu que c'était un contenu qui vous plaisait, et on a vu que c'était un contenu qui était ultra informatif et super bien pour les familles et les disparus. Encore une fois, c'est une vidéo qui est vraiment faite dans le respect et pour vraiment l'entraide. Donc n'hésitez vraiment pas à la relayer afin que si une quelconque personne aurait des informations au sujet de sa disparition, puisse avertir les autorités. Avant de vous laisser avec 30 secondes d'image de Delphine pour bien la visualiser, si ça peut aider, on ne sait jamais. Encore une fois, on vous demande, si le contenu vous a plu, de liker la vidéo et de vous abonner juste en dessous. N'oubliez pas la petite cloche, c'est très important parce que encore là, je viens de voir des commentaires de gens qui ne reçoivent pas les notifications, donc n'hésitez pas à le faire. C'était Murders Explained et à mercredi.